J'ai hâte d'y être. Je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Ils ont construit une nouvelle extension à l'hôtel de ville, Zim Zim. Aujourd'hui, c'est la cérémonie d'inauguration. Tout le monde va venir y assister. Oh, la nouvelle extension. Oh, misère. Tout ce qu'il y a, ce sont des tas de briques et beaucoup d'ouvriers endormis. Chers habitants du pays des jouets, au nom de Madame Tic-Tac, je vous souhaite à tous la bienvenue. Bon, Hector, elle est où, votre extension? On est venu pour rien, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je suis navré de vous apprendre que la construction de la nouvelle extension n'est pas vraiment terminée. Ça, on l'avait remarqué. Donc la cérémonie d'inauguration ne peut pas avoir lieu aujourd'hui. Oh, quelle perte de temps. Allez, vous saillons, on met les voiles. Oh, quel dommage. Qu'est-ce qu'il y a, Zim Zim? Oh, Madame Tic-Tac. Oh, ça alors. Où suis-je? Je ne dormais pas, je faisais une petite... Que s'est-il passé? Pourquoi les travaux ne sont pas finis? Oh, les ouvriers de Bricaville sont trop fatigués, oui, oui. Ils n'arrêtent pas de s'endormir. Elle s'est endormie au milieu de la journée. Et au milieu d'une phrase. Il n'y a pas que les ouvriers, Potiron. Tous les habitants de Bricaville ont l'air très, très fatigués. Il faut que je mène l'enquête. Comment éviter que tout le monde ne s'endorme? Chouette, une nouvelle enquête. Réfléchissons. Qui? Quoi? Quand? Où? Comment? Pourquoi? Menons l'enquête, on y va. Appelons cette enquête l'affaire des jouets fatigués. Par quoi vas-tu commencer, oui, oui? Je dois découvrir pourquoi tous les jouets sont si fatigués. Et comment vas-tu faire? Je vais réveiller les ouvriers. C'est parce qu'on ne peut pas dormir la nuit. Dès que nous allons nous coucher et qu'on commence à s'endormir, toutes les lumières de la ville s'allument. Et ça nous réveille. Du coup, nous sommes tous très... Mais pourquoi les lumières s'allument la nuit? Pour pouvoir enquêter correctement, je vais devoir attendre que la nuit tombe. Tu ne vas pas te coucher, oui, oui? Non, je vais rester debout jusqu'à ce que les lumières se rallument. Oh, tout va bien, il n'y a pas de raison d'avoir peur. C'est l'heure de dormir. C'est très étrange. C'est comme si les lampes s'allumaient toutes seules les unes après les autres. J'ai une idée. Vroom, arrête-toi là. On cherche un interrupteur ou quelque chose comme ça. Recherche d'interrupteur.
calculs en cours. Aucun résultat. Il doit exister une sorte de gros interrupteur central qui contrôle toutes les lampes de Bricaville. Mais où peut-il bien être? Recherche demandée. Interrupteur central. Localisation en cours. Centrale électrique, rue du plastique, Bricaville. Bravo! Merci! Centrale électrique de Bricaville, nous voilà! Bonsoir. Il y a quelqu'un? Je vous tiens! Vous pensiez encore y arriver sans vous faire prendre, hein? Arriver à faire quoi? Entrer dans ma centrale électrique, allumer les lumières et réveiller tout le monde! Nous n'y sommes pour rien. On vient juste d'arriver. N'est-ce pas, Wiz? Affirmatif. Ah, pourtant, quelqu'un est venu et a utilisé l'interrupteur principal. Oui, on le sait. On essaie de découvrir qui. Eh bien, moi aussi, j'aimerais bien le savoir. Je sais comment faire. Vous pourriez couper l'électricité. Que j'éteigne les lumières? Pourquoi faire? C'est très simple. Celui qui les a allumées n'aimera pas qu'elles soient éteintes. Et alors? En quoi ça va aider? Il va devoir revenir pour allumer. Et là, on l'attrapera la main dans le sac. D'accord, c'est un bon plan. Bonne idée, oui, oui. Vous vous chargez d'éteindre pendant que nous, on va se cacher. Voilà, tout est éteint. Il fait vraiment sombre maintenant. Zim Zim, tu es là? Zim Zim! Où sont les autres? Je suis là, oui, oui. Tu as entendu? Chut! Un beau inquiet! Par ici! Oui, oui, attends-moi! C'est toi qui as allumé les lumières? Mais pourquoi? C'est parce que... Hector, est-ce que tu as peur du noir? Oui, d'habitude la nuit j'ai ma lampe torche, mais elle est cassée. Et il faisait tellement sombre. Oh, mon pauvre Hector. Ne sois pas triste. Robot triste. Préparation en cours. Pourquoi tu ne l'as pas dit à Madame Tic-Tac? Elle aurait compris. Je ne veux pas qu'elle sache que je suis peureux. Oh, ce n'est pas grave. J'ai un peu peur du noir, moi aussi. Et moi aussi. Mais quand tu allumes toutes les lumières de la ville, plus personne ne peut dormir. Quand il fait noir dehors, j'ai vraiment peur, vous savez. Je me sens tout petit et très seul. Ça m'est arrivé tout à l'heure. J'ai fait un câlin à Zim Zim et ça m'a fait du bien. Oh! Réparation terminée. Merci, Monsieur Wiz. Quand ça m'arrive, je serre fort mes doudous. Si Hector avait quelque chose à serrer contre lui, ça l'aiderait peut-être à se sentir mieux. Qu'est-ce que tu en penses? Calcul en cours. Affirmatif. Hector, veux-tu que je te prête un de mes doudous? Oh, vous voulez bien? Oui. Oh, c'est vrai, j'ai déjà moins peur. Merci, Monsieur Wiz. Je crois que maintenant, je n'aurai plus besoin d'allumer les lumières. Et les jouets ne seront plus fatigués dans la journée. Qu'est-ce que c'est que tout ce bruit? Je commençais tout juste à m'endormir.
Ce n'est que nous, Madame Tic Tac. Désolée de vous avoir réveillé, mais je peux vous promettre que ça n'arrivera absolument plus jamais. Allez-y. Bravo, bien joué. Grâce à toi, mon garçon, plus personne ne s'endort en pleine journée. Merci. Oui, il m'a suffi de découvrir qui allumait les lumières la nuit et pourquoi. Maintenant qu'ils peuvent dormir, les jouets ne sont plus fatigués. Et Hector n'a plus peur du tout. Regarde-le. Et les travaux seront bientôt terminés. L'affaire des jouets fatigués est résolue. Alors, nous avons trouvé tous les indices. Il n'y a plus de mystère. Affaire classée.